moi, je dirais la principale barrière, c'est le fait que nos jeunes adultes, même les plus vieux, ont vécu beaucoup, beaucoup de difficultés par rapport à leur apprentissage et ce qu'ils ont vécu à l'école. Comme ils ont eu beaucoup discuté avec leurs apprentissages, ils arrivent ici, quand ils arrivent ici, parce que souvent, ils vont venir une fois, deux fois, trois fois, avant que ça soit de façon régulière et qui acceptent à nouveau d'apprendre. Ouais. Et pour nos adultes, mais ça, on a de moins en moins des adultes pratiquement analphabètes complets, là. C'est-à-dire que vouloir venir aux études, c'est toute une histoire. Ils viennent, ils retournent, il faut y aller très doucement au début parce que c'est tout un choc. Hein? Et il y a un nouveau phénomène, il semblerait-il, à l'éducation des adultes, c'est la continuité entre le secteur des jeunes et des adultes. Les jeunes finissent en juin, puis en septembre sont aux adultes. Donc c'est comme une continuité normale de la formation des jeunes, fait que ça fait un petit peu drôle parce que c'était pas ça le but de l'éducation des adultes au début, là. C'était vraiment pour une clientèle adulte. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup, beaucoup de jeunes dans nos classes, même en alphabétisation. Je pense que l'accueil, c'est très, très, très important. Moi, j'ai eu à faire l'accueil des élèves pendant je ne sais pas combien de temps et de faire les tests de classement. Et nous, on avait demandé, les profs, que ça ne soit pas une secrétaire ou un agent de bureau, puis ça n'a rien à voir là. C'est juste que nous, on connaît le programme et c'est plus facile de sécuriser quelqu'un. On va jaser avec l'adulte ou avec le jeune, puis il dit, bon, on va te prendre où est-ce que tu es. Et ça se peut que tu sois beaucoup meilleur que tu le penses, parce que quand il arrive ici, ça ne veut rien faire, là, d'après eux. Tout en étant scolarisant, je dirais que ce sont des groupes et font peu d'individualiser, fait que tout le monde travaille ensemble. Il y a beaucoup d'encouragement entre les pairs et le fait de souligner les plus petits succès. Pas d'attendre d'avoir un examen au bout de 100 heures, puis bon, je sais pas trop. On va beaucoup féliciter les adultes et les jeunes, dire « Ah, c'est beau, gars, ça tu le sais, bon, t'as pas besoin, on continue. » L'approche des enseignants y est pour beaucoup, le groupe. On a un rythme différent aussi, on a plus de temps. Ils sont pas obligés d'être tout le monde pareil. Et il y a en tout cas, moi, j'ai rarement vu de comparaison entre les adultes, qu'on peut voir au secteur des jeunes, là, de comparer des élèves entre eux. Moi, dans les 20 ans que j'ai enseigné, je vais vous dire, j'en ai pas vu. C'est quand on est en alpha, de base, où on a des gens qui sont analphabètes, et des gens qui savent déjà un peu lire et un peu écrire. Les gens qui ne savent pas lire, pas écrire, on ne peut pas les laisser seuls. Et comme il n'y a qu'un enseignant dans une classe, c'est un petit peu problématique, je dirais, parce que les plus avancés veulent qu'elle s'en occupe, mais les autres, on ne peut pas les laisser seuls. Je dirais, là, c'est assez dramatique. Quand ils savent lire un peu, écrire, on peut les amener avec un groupe qui serait même un peu plus avancé, parce qu'il y a quand même un petit peu d'autonomie. Et ce qu'on a vu beaucoup, ce sont des îlots. Donc, de regrouper ensemble les élèves qui sont à peu près de même niveau. Quand tu as 22, 23, 24 élèves avec juste une enseignante, et même si les gens ont le même cycle de cours, admettons, ça ne veut pas dire qu'ils avancent au même rythme. Fait qu'on se ramasse après un mois avec des gens qui sont un peu partout, là, avec des différents niveaux. Fait que de les répartir par niveau le plus possible, par îlot, puis de demander aux autres de s'aider. Je sais qu'ici à côté, des fois, des gens qui sont à l'étape 4 vont aller aider à lire à des étapes 1. Et ça fait une belle confiance, une belle complicité, c'est bien, bien le fun. Et ils avancent comme ça, là. Ce qui n'aide pas au niveau du fonctionnement, tantôt j'en ai parlé, c'est des entrées continues. C'est pas toujours évident, ça, mais ça, c'est l'éducation des adultes. Qu'on soit en formation de base commune ou dans un autre programme, c'est une problématique de l'éducation des adultes. Ouais. Bye les filles, bon été! Bon été, on se revoit pas!